Les artisans du deuxième arrondissement de Porto-Novo, tous corps de métier et branches d'activité confondues, se sont retrouvés ce dimanche 2 juin 2024 à la palmeraie de Gbada dans la commune de Dangbo pour célébrer en différé la fête du travail. Cette initiative, qui émane de la chef du deuxième arrondissement de Porto-Novo, Gertrude Nadia Senadosa, à travers sa fondation GNSD, vise à favoriser le brassage entre les artisans de son arrondissement et créer des liens durables. Placée sous le signe de la convivialité, cette fête a été marquée par divers jeux, animations, danses et dégustations des mets locaux. Les artisans du deuxième arrondissement de Porto-Novo, les mécaniciens, soudeurs, coiffeurs, coiffeuses, photographes, tailleurs, tous ceux qui viennent ensemble faire leur réunion au deuxième arrondissement, on a décidé de se réunir pour faire une fête au nom des artisans. Et vous voyez avec moi, c'était festif, tout le monde était content, on a passé du temps ensemble, histoire de mieux se connaître et faire un brassage entre tous les artisans du deuxième arrondissement de la ville de Porto-Novo. On a voulu faire la fête de travail en différé des artisans du deuxième arrondissement de la ville de Porto-Novo, histoire de les honorer. Ils sont tout le temps au boulot, c'est vrai, ils fêtent ensemble, mais très souvent, c'est beaucoup plus en mode agor. Aujourd'hui, on a décidé de sortir du cadre habituel, sortir, venir dans un village, rester ensemble, s'amuser, festoyer et vivre la joie de la solidarité. Cette journée divertissante aura marqué les esprits et les artisans expriment leur gratitude à la chef d'arrondissement pour l'initiative. Le CA du deuxième arrondissement, à un moment donné, est parti le voir pour dire on va faire les réunions d'association dans son arrondissement. Et il nous a accepté. Il nous a pris comme maman et papa. Ça fait que on est avec lui, tu et toi. Et à tout moment, quand on se voit, elle en joie, elle participe avec nous. Des fois, elle vient nous voir pour dire, bon, oui, ça va. Et puis, on dit, oui, ça va. Mais à un moment donné, nous a appelé pour dire que la fête du 1er mai, c'est pour les artisans. Qu'elle veut que nous soyons avec elle. Mais le 1er mai, ça veut dire que c'est tous les artisans qui font ça. Ça fait que le 1er mai, là, ça ne va pas être lieu. Qui va associer les présents, il va leur voir pour leur dire. Maintenant, elle veut rester avec nous. On a pris le programme. Bon, le temps fait défaut, ça veut que tout le monde ne peut pas venir. Mais avec la minorité là, on est satisfait. On est avec CA ici. On est très heureux ici de venir avec CA pour être avec elle aujourd'hui. On a vu qu'elle est notre maman, maman des enfants, maman qui accueille des enfants. On est resté avec lui, on est en joie, on est dans les palmeraies, on est heureux, tout ça, rien ne nous manque. À l'endroit de CA, elle est une dame de fait, que Dieu nous garde la vie, que Dieu l'accorde la longévité. Avec nous aussi, les artisans de la ville de Porto-Novo, pour que l'année prochaine, ce soit heureux, doux, pour que ça là. Maintenant les collègues, je suis très ému de les voir à côté, on est et tu es à toi, ça fait que bon, avant, on ne savait pas que telle personne est dans le deuxième arrondissement, il travaille dans le deuxième arrondissement, mais aujourd'hui, ça a fait qu'on se connaisse d'avant.
partage. Voilà des mindou et vivi bo dia chobo sonyo bo do yai ganti et ni nous len kole sigano tito to miton me et dans vivi tambona dia cho o me miton e hundo se a miton deuxième arrondissement hogbon tongo o me miton hunde go gba gba una edo tito kodo ni le dagbe na do so kan jrando jawe na go alone na mi et nous dans dona azongbe miton lewe ndo mi me azon teme teme we wa fi to egbe Nandona edo mededo ni le dagbe nando so kan pasi nu dagbe dagbe le ni no ko toni e na ni ro ja chobo je mepo ndondo edo ni kuro won yin na nando so kan no ko tona se ami ton deuxième arrondissement e jo ni ne azan gagbe gabo ne dijo ho e bo gwa lo ne tonu iwa e ton le ko patapata me na edi ro so kan se o tomi ton so yaga à l'endroit de cette couche de travailleurs qui contribue au développement économique et social du Bénin, la sœur Gertrude Nadia Senadosa exprime sa reconnaissance. Je voudrais dire un sincère merci à tous les artisans. Merci à eux pour l'amour qu'ils ont pour moi. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que cette fête soit une réussite. L'union et la solidarité sont entre autres gages de la promotion du secteur artisanal, ce secteur qui prend de l'ampleur et de la valeur. Et c'est à juste titre que la CA2 a honoré les artisans de son arrondissement à travers cette première édition dont tous souhaitent vivement la pérennisation.